Voilà, là tu vois, en vrai moi j'aime bien, mais je te dirais que c'est un peu trop. Il faut l'ouvrir. Voilà, super. Laisser un peu évaser comme ça, pour laisser apparaître ce que tu as en dessous. Et la matière, non mais attends, c'est marrant parce qu'on croirait comme ça que c'est du cuir, parce que c'est assez brillant, et en fait pas du tout. C'est un peu rêche, mais c'est ça qui crée la surprise. Bah, rêche, c'est chiant quoi. Bah en fait, c'est un rêche spécial, et c'est un rêche, tu vois, étonnant et surtout fantaisie. Et puis là, regarde, surtout moi ce que je préfère, tu peux ouvrir ça s'il te plaît. Voilà, donc ça, Lucas, très simplement, qui a une poche ici avec pratique. On peut mettre un bouton, au cas où le bouton se casse. Et qu'est-ce que tu mettrais dans cette poche? Tellement de choses. Que je sais pas ce que je mettrais dedans. En même temps, c'est pas très pratique. Hein. Bah, c'est pas pratique, mais en même temps, personne n'y penserait. Il faudrait que tu mettes des choses assez précieuses. De type tes clés de vélo, tu vois. Waouh. Retourne-toi. Ah ouais, tu vois, ici, ce qui est intéressant, c'est à quel point il est centré grâce à ça. Ouais. Et ça, tu vas pouvoir toi-même le régler selon ton mood, quoi. Okay. Et ça, c'est super, parce que de dos, du coup, vraiment, on voit bien ta taille, elle est bien dessinée. Et d'autres poches, voilà, ouais, super. Il y a vraiment énormément de poches. C'est une veste vraiment pratique, c'est-à-dire que tu peux sortir qu'avec ça et avoir de la place pour tes clés, ton portefeuille et ta carte ou quelque chose, quoi. Waouh. Tout te va, en fait.